les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et moi ça va. On se retrouve sur les Sims 4, mais dans la maison des étudiants et non pas avec Lia, Jonathan et Lucas pour cette fois-ci. Alors, Amy est en train de monter les escaliers, donc j'avais envie de bouger cette chambre et en fait de la mettre en haut. Du coup, je pense que voilà, je vais le faire rapidement. Vu que Jonathan n'est plus là, voilà, la chambre maintenant ne sert pratiquement à rien. Donc, voilà, je préfère enlever tout ça, même si c'est vrai, c'est triste, c'est vraiment triste. Mais je me dis, voilà, au moins elle va nous servir quoi, cette pièce, puisque ce sera une chambre. Parce que la chambre de Amy et Lounis en bas était un petit peu trop petite, je trouve, pour eux. Attends, c'est quand même les stars, hein, donc faut arrêter un peu. Alors, je vais mettre le lit bah, comme c'était ici, hein, mais avec des couleurs différentes et tout. Voilà. Comme en bas, en fait. Hop. Donc ça, non, c'était comme ça, je crois, en bas. Bon, au pire, je peux carrément changer les rideaux, hein, mais... Mais comme je suis une flemmarde, je ne le fais pas. Pareil, la salle de bain, du coup, ça va changer un peu. Ah, c'est pas beau. Ouais, bah ça, hein. Voilà, comme ça. Et puis là, comme ça. Et ça, du beige. Voilà. Parfait. Et puis, on va juste prendre le lit qui est en bas. Bon, je reprends tout, quoi. Je copie-colle. D'ailleurs, j'ai téléchargé de nouveaux objets qui viennent tout juste de sortir. Enfin, bon. Qui viennent de sortir au moment où je fais la vidéo, mais qui ne viennent pas de sortir au moment où je poste la vidéo, bien sûr. Donc, ce sont des téléchargements où il y a des petits objets de Noël. Et c'est super mignon, quoi, parce que du coup, on va pouvoir un petit peu fêter Noël avec nos Sims, alors que, en réalité, voilà, on n'a pas vraiment d'objets comme ça. Donc, c'est vrai que là, ça va nous permettre de faire des choses. Alors, ça, du coup, est-ce que je laisse en bas ou pas? Ouais, je trouve ça plus sympa quand même. Et puis ça, c'est tellement beau, hein, qu'on va le laisser là. Comme ça. Ouais, ça passe. Et puis, oui, on a encore ça là. Voilà. Et puis une lampe, voilà. Une petite lampe que l'on va mettre là. Ok, qu'est-ce que j'ai? Non, pas là. Dégage! Comme ça. Ça m'embête cette console. Mais bon, allez. On la laisse, hein. Bon, allez, non, je remets comme là, voilà. Et puis le sol quand même, j'ai gardé le sol du bas, je trouve ça plus sympa dans cette chambre. Nickel. D'ailleurs, pareil pour la salle de bain, je vais rajouter quelque chose de plus clair. Toujours. Alors ça va être où que je vais pouvoir trouver ça? Peut-être plus là-dedans, voilà. Quelque chose comme ça, voilà. Et encore, je voulais encore plus clair, mais bon. Ça va, hein. Ouais, allez, ça passe. Et puis, ben voilà. Ah, il y a encore la serviette ici. Et oui, je vais jusque dans les moindres détails. Voilà, parfait. Et donc en bas, j'avais l'idée de faire autre chose. Donc, déjà, cette chambre, du coup, elle va être toute... Enfin, cette chambre, cette pièce va être toute blanche. Et puis, pourquoi pas créer un espace... qui nous ferait rentrer par là, un espace ouvert en fait. Hop, on va faire ça et on va mettre ça. Nanana. Alors attendez, je mets ça en attendant, hein. Et puis, ouais, pourquoi tu veux pas?
ça qui te bloque. Non, c'est vraiment les tableaux. Bon, les tableaux, hop, on les jette. Ah, non, ok. Bon, ça va être les chaises. Ah, ça va être la chaise. Oh. Bon, au pire, hein, tu vas pas nous emmerder. On va faire ça. Comme ça, au moins, on aura plus de place dans la cuisine aussi. C'est vrai qu'on en avait pas beaucoup. Tu vas pas m'emmerder quand même. Non. Tu vas être gentil. Ah! Alléluia! Voilà! Donc on va centrer plutôt là. Bon, ok, c'est toujours pas centré, mais bon, c'est pas grave. Et puis, ici, je vais mettre une petite plante quand même pour habiller tout ça. Une petite plante. Et puis après, on pourra partir dans le jeu, hein, enfin! Donc là, on commence direct par la déco, en fait. Voilà. Et puis donc ici, alors je vais aller dans activités et compétences. Et puis j'avais vu quelque chose que je voulais absolument placer chez moi. Quelque chose que je vais trouver absolument. Ou quelque chose que je ne vais pas trouver. Ouais. Alors attendez, c'est peut-être dans la cuisine. Électroménager peut-être. Ah, le voilà! Je voulais faire ça. Des gâteaux. Du coup, on va créer une pièce à gâteau. C'est quoi qui bloque là encore, putain? Hein? Voilà. Du coup, cette lampe ne va pas du tout dans cette pièce. Voilà! Je sais même pas si on va laisser ça ouvert, parce que c'est tellement moche. On peut l'avouer quand même. Je vais rajouter mes petits éclairages. Et je vais remettre ma déco. Elle est sûrement là, voilà. Elle est restée là. Et on a des livres gothiques. Livre Lucas Dark. Ouais. Chaîne et fille. Oh! Pas mal! Allez, on vend. Ah! Ça veut dire que j'ai enlevé des trucs, ça. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Bon, je sais pas. Et puis, ouais, on a des trucs, là. Ah oui, là, par contre, oui. Ça, c'est notre fortune. Notre fortune cachée. Et puis, bah, cette pièce, oui, elle est dégueulasse, hein? Elle est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Bon, écoutez, on va la laisser comme ça, hein. On verra plus tard si elle changera ou pas. Pour le moment, voilà, c'est très beau. Et voilà, j'avais envie que Lounis teste cette machine. Parce que bon, Lounis boniche et donc cuisiniche. Voilà, il va faire les gâteaux. Non, ce n'est pas ton lit. Je te le répète encore une fois. Je le sais, je suis chiante. D'ailleurs, on va changer la couleur du lit. Ah merde, putain. Ça c'est vraiment un lit chiant. Comme il était chargé, c'est vrai que ça veut pas. Bon, si en fait, bon, si je vais le laisser parce que. Voilà. On va dire que c'est le lit de Amy. Voilà, il a des petites fleurs. Voilà. D'ailleurs, Amy est là. Et elle est avec sa copine Ashley. Et elles sont toujours super minces, même après quelques jours après les avoir quittées. Donc c'est vraiment cool. Elles sont vraiment magnifiques. Alors, si elle pouvait se faire un câlin, ce serait cool. Ah ouais, voilà, c'est... Amour. Ah, ce serait marrant qu'elle portait un toast. Ah ouais. Ah bah, ils ont plus de verre, merde. D'accord, elle fait croire qu'elle a un verre. Ouais. Ouais, super. Ah bah d'accord, le verre est apparu. Cool. Le verre disparaît, le verre réapparaît, c'est magique, les amis. D'accord. Ah, elle lave son verre. C'est bien ça.
Alors, elle, du coup, on en était où? Parce que du coup, ouais, c'est vrai qu'on les a vraiment lâchés. Alors, rencontrer quelqu'un de nouveau. Ah oui, dans 50 ans différents, ouais, c'était vrai. C'était vrai, c'était ça. Être ami avec deux voisins, donc ça aussi, c'était vraiment vrai. Et, ah, ben, en parlant de voisins, voilà, on a deux voisins. Tentation amicale. Lui, il a les cheveux rouges, alors, voilà, il doit être gentil. Reste là! Je sais pas si c'est notre voisin, mais j'imagine que oui, quand même. Sonia Gothique, c'est sûr. Cours! Alors, je vais regarder vite fait ce que Ashley veut faire. Rompre avec deux Sims, ah ouais. Bon, il est 2 heures du mat, donc on va pas faire ça maintenant. Au niveau de son boulot, j'arrive pas à parler. Ça va. Et puis, on va essayer d'être amis avec elle. Au moins avec elle, voilà. Je pense que ça peut être simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va raconter des histoires et tout, parce qu'on est doué pour ça, nous. Puis on va la flatter et tout, parce qu'on est d'humeur très 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 heureuse. Donc on peut parler également des techniques d'entraînement. Et puis voilà, on va faire le tour. Et puis aussi dans cet épisode, je vais essayer de raviver la flamme qu'il y avait entre Ashley et Jonathan, parce que c'est vrai qu'en ce moment ils sont pas vraiment amis. Enfin, on a pu le voir à l'épisode dernier que vraiment ils étaient pas potes. Donc du coup, j'ai bien envie de recréer bah, toutes les amitiés quoi, qu'ils soient vraiment tous meilleurs amis. Alors raconter une histoire délicieuse. Hop, on va refaire les mêmes actions. Si je peux. On va faire connaissance et tout. Faire une blague. Ah! Ne pars pas! Il est que 3 heures du mat! Non, pas demander de passer du temps ensemble, parce que ça se trouve à nous envoyer chier à ce moment-là. Donc, faire une imitation. Faire des blagues et tout. J'arrête pas de faire demander de passer du temps ensemble, c'est énervant. Parce que j'ai l'impression que c'est demander comment s'est passée ta journée. Donc du coup, voilà, j'arrête pas de le faire. Discuter des coins de pêche. Ouais. Voilà, de la paix dans le monde, illuminer la journée, toujours discuter des jeux. Lalalala. Elle est en joueuse? Ah non, elle est joueuse. Ah, nous aussi on est joueuse du coup. On va rigoler ensemble. On va faire des blagues. Drôle. Blagues sur les canards. C'est très drôle les blagues sur les canards. Non, ça c'est amour. Au secours. Toc toc. Voilà. Là, normalement, ça devrait aller. Elle devrait devenir notre amie. Voyez? Elle est devenue notre amie, n'est-ce pas? Elle se casse. Elle m'énerve. Oh, bonjour. Bonjour. Il y a du monde aujourd'hui dans ce quartier. Bon, en tout cas, elle n'arrête pas de se casser, mais nous, on la lâche pas, hein. On la lâche pas. On la veut. Non, pas demander de passer du temps. Se plaindre des jeunes, allez. Enlacer, ouais. Donc là, j'ai l'impression qu'on est quand même amis avec elle. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je me trompe? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on est amis. Donc cela signifie qu'on a un ami sur deux. Ok, rencontrer quelqu'un de nouveau donc dans cinq endroits différents, ça, il faudra qu'on le fasse, mais je pense dans un seul épisode, sans aller s'occuper de Ashley ou autre. Donc voilà, ça va être difficile hein, quand même de ne pas arrêter de bouger. Ou alors on peut bouger dans chaque épisode. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, tu vas rentrer te coucher. Voilà.
Ashley se sent très très bien aujourd'hui et elle ne travaille pas en plus. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va inviter quelqu'un. On va inviter. On va discuter avec Don. On n'est plus trop potes avec Don, j'ai l'impression. Et puis on va essayer d'inviter quelqu'un. On va inviter à aller quelque part avec. Inviter à aller quelque part. À Julien. On va aller. Est-ce qu'on peut aller chez eux? On va voir si on peut réellement aller chez eux ou si voilà on est juste dehors dans le quartier comme des cons. Alors nous voilà juste devant la maison des Thomas. En fait, Thomas c'est le nom de famille de Lia, mais par contre le nom de famille de Jonathan c'est Dirk. Et en fait, oui, du coup, j'ai pas pu modifier le nom et j'ai pas du tout pensé à mettre le nom de famille de l'enfant, mettre le nom de famille du papa, parce qu'en fait, franchement, je me souvenais même plus de son nom de famille. Alors du coup, c'était compliqué. Et puis après, c'est vrai que le foyer s'est fusionné et j'ai même pas changé non plus le nom du foyer. Donc du coup, c'est la femme qui tient la culotte, quoi. Faire connaissance. On va essayer de voilà de flirter avec lui comme ça. Il va peut-être être amoureux de nous. Non, on va pas l'effrayer. Et puis alors attendez, on va essayer de faire un truc genre offrir une rose, voilà. On va commencer petit par petit. Et puis après, on va le larguer en direct aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on va le larguer. Alors, avouer son attirance et tout. Enfin voilà, on est à fond sur lui, vraiment. Hein. Là, c'est vraiment fou. On peut plus se retenir. Premier baiser, est-ce qu'on le fait directement? Je ne sais pas. Franchement, j'ai l'impression qu'il est trop facile, ce mec. Donc, allez, on le fait. Ouh. Ah, il nous aime bien. Ah, ça me fait de la peine. Mais on est obligé. Le pauvre. Oh. Ah mon dieu. Le pauvre. Bon, baiser suave. Ah oui, elle est confiante. Ah ouais, d'accord. Je lui dis, c'est quoi cette merde? Ah! C'est un magicien! Bon, au revoir. D'accord. Pourquoi as-tu disparu comme cela? Je ne sais pas. Mais tu es très con. Alors, invité, peut-être qu'en fait il est parti au boulot et que du coup il s'est téléporté, je ne sais pas. Je comprends plus ce jeu! Bon, en tout cas, on est chez eux, on est bien. Alors il va arriver. Pff, mon dieu, quoi. Bon, du coup, on peut renouer avec Jonathan. Et il y a ce con-là qui revient, mais je veux plus de toi, hein! Bon, on doit quand même lui demander d'être notre petite amie, donc. Bon, par contre, est-ce qu'on peut le faire plus tôt? Non, pas de conversation à multiples. Non, 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 je n'ai pas dragué Jonathan. Faut arrêter. Faut arrêter ces conneries. Hein. Faut arrêter les conversations à plusieurs. Moi, je n'y arrive pas. Voilà, technique de drague. On va faire. Voilà, technique de drague osée. Bon. Pas de crac-crac, parce que voilà, on prend soin de nous quand même. Hein. Donc on va pas coucher avec n'importe qui. On veut quand même que ce soit quelqu'un. Enfin, on est quand même amoureuse de la personne. Amoureux, amoureuse. Quand, voilà, on fait crac-crac. Donc là, avec lui, on ne sera pas amoureux. Qu'est-ce que t'as, mec? Qu'est-ce que t'as là? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Pourquoi tu me rejettes? Bon. Il m'a rejeté comme une merde. Donc qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de coucher avec lui? Comment ça se passe? Bon, il nous aime bien, ça va. Par contre, ce que tu ne comprends pas, mon gars, c'est que tu dois essayer de me draguer toi aussi, hein? Parce que sinon, moi, je me casse. Oh.
Yenavi. Ben, c'est long avec lui, dis donc. En plus, il se lève pas. Ça me fait trop rire. Le mec. Elle embrasse sa casquette. Oh mon dieu, c'est trop hot. Il est vraiment dégueulasse, ce mec. Ça passe, mais je sais pas, il a un air coquin. Enfin, sa tenue, quoi, ça me fait rire. C'est, il est bizarre. hop. Qu'est-ce que t'as? Elle est embarrassée, d'accord, ok. Bon. Au secours! Arrête là! Allez, stop! Allez, on s'isole. Parce que Jonathan il commence à nous gueuler dessus, donc c'est bon. Mais toi, arrête de regarder la télé, je sais pas, on peut pas te dire de venir. Non. C'est chiant quoi, à chaque fois il parle à plusieurs. Quand tu veux pas. Ah. On pourrait sortir avec lui? Oui, oui, pourquoi pas. Bon, arrêtez de parler tous ensemble. Arrêtez. Merci. Arrêtez. Voilà. Donc du coup ce que je veux. Mais écoute, on va faire crac crac si tu veux. Allez, on se souille. Voilà. Comme ça, peut-être qu'après il voudra être en couple avec nous. On dirait que le mec, il n'y a que ça qui l'intéresse. Bah déjà, il est mieux en pyjama, il est mieux. Ça passe. Bon, réveille-toi par contre. Ah voilà, demander de son petit ami. Bah voilà. Intéressée. Bon, elle est contente, elle a fait crac crac. Ils nous ont chassé ou quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font? D'accord, ok. Ils nous ont vraiment chassé. Ah, j'ai cru qu'il allait dire non. Ouf. Super. Et maintenant? Mais tu es un con en fait! Je savais pas vu que tu étais aussi con! Je suis désolée, mais en fait ça peut pas se faire entre nous. Hein. Depuis qu'on est ensemble, rien ne va plus. Hein. Ça fait une seconde et. Je peux plus. Allez, casse-toi! Bon, on n'est même plus amis avec Lounis, franchement. Ashley n'est amie avec personne. Donc, voilà. Ah, il y a le meilleur ami là-bas. Ah, on va le draguer. Est-ce qu'on l'a en ami? Mais non. Donc voilà, il nous le faut. Présentation dragueuse. Mais on va pas lui faire de mal. Parce que franchement, il est pas mal ce mec. Il est pas mal du tout. Au limite, ça pourrait être notre futur... Notre futur mari et père de nos enfants. Et voilà. Donc voilà, il faut en prendre soin. On va essayer de trouver quelqu'un de plus moche pour toi. Toi. Ah, bon, il est beau en fait. Mon dieu, pourquoi il n'y a que des canons ici? Ouais, franchement, il est pas mal. En fait, il faut juste le relooker et après, il est très beau. Allez, on va à la présentation dragueuse. Alors, deux secondes, petit ami. Petit Lucas. Bah, il s'appelle Lucas aussi. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé notre enfant Lucas, parce que, bien évidemment, c'est le meilleur ami de l'IA. Est-ce qu'on a dit bonjour à lui? Non, donc arrête de nous parler. Merci. Salut.
Salut les mecs. Je suis la prostituée du quartier. Donc elle est vraiment habillée comme une prostituée, quoi. Ouais. Mais toi, franchement, on va te relooker. Tu vas être beau gosse. Tu vas voir. Embrasser les mains et tout. On attaque. On attaque. Il est joueur. Baratiné. Ça, c'est cool, baratiné. Faire une rose et tout. Enlacer. Mais bon, il se laisse trop faire avec nous. C'est trop simple. C'est trop simple. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut l'embrasser? Ben voilà, allez. Et voilà, c'est dans la poche. Ah là 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 là. C'est trop facile. Trop facile. Non, non. Voilà, demandez de son petit ami. Attends, on le connaît lui? Non? Bah allez. Hop là! Salut mec! Est-ce qu'il va nous péter la gueule? Oula! Oula! Mais c'est passionné. Non, non, t'inquiète pas, mec, je suis avec toi. C'était juste pour le saluer, pour ensuite rompre avec lui. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. On est fait pour être ensemble. Moi, je le trouve pas mal. Et vous, comment vous le trouvez? Ce gars. Franchement, moi, je le trouve plutôt beau. Bon, à part qu'il a un mono-sourcil, c'est vrai. Mais si on enlève tout ça, il est beau. Enfin, je crois. Hop là, caresser la joue. Franchement, j'ai l'impression que ça va être notre préféré. Enfin, je sais pas, j'ai un petit coup de cœur pour lui. Je trouve ça mignon, en fait, qu'il soit comme ça, là. Enfin, aussi laid. Enfin, mal habillé, quoi. Mal habillé, mais le mec est quand même super beau. Donc, c'est marrant, comme Sims, je trouve. Donc voilà, on va essayer d'être pote avec lui aussi, de parler du dernier jeu et tout. Parce que là, bon, on n'a qu'une relation étrange, tous les deux. Il a été un petit peu choqué qu'on parle tout d'un coup d'autre chose que de sexe, mais bon, ce n'est pas grave. Oula, il est fatigué lorsqu'on parle d'autre chose d'ailleurs. Par connaissance et tout. Ah ! Bon bah écoutez, on va rentrer à la maison, hein. Et puis, voilà, Lounis commence à travailler dans une heure. Oh ! Un autre enfant. Il est marrant, lui. Frédéric Müller. Müller. Bon, mais ouais, on va rentrer à la maison, franchement, parce que là, ça ne va plus. Par contre, ça, ce n'est pas du tout notre maison. Donc, ouais. Comment on rentre, déjà? Ah, allez, se déplacer avec... bah, écoutez, on va même proposer un rencard... Bah non, non, parce que sinon... non, non, parce que sinon on va pas pouvoir dormir. Donc se déplacer avec... Ah, on va se déplacer avec tout le monde. Tout le monde. bah il est où le mec? Ah, je reconnais même pas. et puis... ouais, c'est tout. Voilà. On rentre à la maison. Zoup. Mais en même temps, il y a Zed qui est super beau. Enfin, ah, il y a trop de mecs. Comment on fait? Comment on fait? Comment on fait? Après, on peut avoir des enfants de partout, hein, d'origine différente. C'est possible également. Mais ouais, je suis indécise. Donc il faudrait que vous me disiez en commentaire qui c'est que vous préférez et tout. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, Ashley? Est-ce qu'elle continue de chercher le grand amour? Ou est-ce qu'elle l'a trouvé? Ou est-ce qu'elle l'a trouvé? Est-ce qu'elle l'a trouvé? Je sais pas, franchement, j'aime bien les deux. En plus, ils font les mêmes trucs, donc bon. Alors, qui veut coucher avec moi? Toi, tu veux coucher avec moi? Je vais t'offrir une rose. Peut-être qu'on peut le draguer, là. On va essayer, alors que l'autre est là. Puis bon, comme ça fera...
Ça fera de l'ambiance dans la maison si l'autre se vexe. On est trop fort aujourd'hui. Oula, il se ramène, il se ramène, il se ramène. Ah, bah non, je ne ramène pas. Tant mieux. Premier baiser. Attends, mais qui peut nous résister? Ouh! Baratiné. Murmuré. Et se tenir la main. Il n'y a pas grand chose là pour le moment. Ah, bah demander à ton petit ami. Putain, elle en a trop. C'est énorme. Je crois qu'on est en avance par rapport à notre aspiration d'ailleurs. Parce qu'après, par la suite, ça doit être avoir plusieurs petits amis. Et là, vraiment. Alors, est-ce que l'autre est dans la chambre? Oui, donc on va pas là, bien sûr, on va là. Ah non! Attends, dégage, dégage, dégage. Voilà. Hein? Responsabilité de ma chambre, mon père. Ah non, 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 je souhaite pas. Allez-y! Tandis que l'autre dort. Et sur ce, on se quitte déjà sur voilà, ces magnifiques petits cœurs. Et puis, j'ai hâte de vous retrouver pour un tout nouvel épisode. Voilà, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, alors n'hésitez pas à mettre un j'aime et à commenter également. Comme ça, je peux lire ce que vous pensez et tout, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse, qu'est-ce que vous aimez, qui est-ce que vous aimez comme garçon, qui est-ce que vous aimez moins, voilà. C'est sympa de vous lire. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube également pour être au courant lorsque je sortirai des vidéos. Et vous pouvez aussi venir sur Facebook et Twitter pour m'envoyer des messages, je les recevrai également. Bye!